Camon, on se retrouve enfin sur Satisfactory, 22e épisode. Épisode intermédiaire, peut-être, je sais pas. Au dernier, nous avons débloqué le quartz et également débloqué la logistique MK3. Donc, nous avons les tapis à 270 unités par minute, ce qui est vachement bien. Et la gestion de l'acier, on a enfin les structures polyvalentes. Du coup, j'ai un problème, c'est que tout l'acier que je faisais était consommé par ces structures, j'en ai plus en stock. Alors, je suis revenu au Grand Lac, où il y a le charbon, j'ai déjà fait le fer, et j'ai tout upgradé les tapis en MK3. Ouais, c'est bon. Salut mon gros. Ouais. En plus, on peut boire un café avec le parachute, c'est trop cool. J'ai fait ça, là j'arrive juste, je viens d'attraper une limace, et surtout, j'ai pris les éclats de charge, et j'ai boosté les mines de fer et le charbon. Alors, pas celle-là. Hop. On voit que le tapis est plein. J'en ai monté une à 120, et l'autre... Ah, le MK3 est trop rapide. Alors celle-ci à 120 et l'autre est à 150, donc nous arrivons à 270 charbons minute. Ce qui nous fait du coup quelque chose de magnifique là. Voilà. Petit coucou à tout le monde bien sûr, à Mordog, Dragon Noir, mettez vos commentaires, j'aime toujours les lire, qu'ils soient ironiques ou pas, il n'y a pas de problème. Ectoplasme mon grand, enfin genre, je repasse comme Capilus. Yuli, tu peux me tutoyer, c'est un plaisir de lire les commentaires, il n'y a pas de problème. Rich Cool, j'espère que tu vas bien mon pote. Et du coup Patrick, merci pour tes conseils et tout. Et tu m'as rappelé encore, j'ai oublié, apparemment il y avait une grotte de quartz, j'étais pas très loin. Alors là on va retourner vers le camion, tu m'as dit que c'était pas loin du spot de cuivre que j'avais trouvé. Donc on va voir ça. Par là-bas, donc c'était le quartz soufre, nouveau biome. Je vais t'amuser à refaire un restart. Et on arrivait dans ce biome-là, justement. C'était assez intéressant. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de mon camion? Il est là. Alors, au début, je pensais que la grotte était par là, mais non. Et on y va avec le camion, parce que s'il y a des fourmis géantes, pas globe, quoi. Je monte le son dans mon casque pour être dans l'ambiance. Pour vous, normalement, il n'y a pas de problème. Et on va retourner au filon de cuivre. J'ai bien vu la vidéo, tu avais dit à quel moment c'était. Donc, j'ai pas tout mis en MK3, hein. C'est juste un convoyeur de charbon. Celui de deuxième à partir du bas qui est upgradé. L'autre, il n'y a pas besoin pour l'instant. Je sais pas comment vous faites, vous servez de papier pour noter toutes vos ressources. Je mettrai peut-être des pancartes. Je faisais avec des tickets, je vais peut-être acheter ça. Ouais. Est-ce que c'est là le cuivre? Qu'est-ce qu'on a là? Du calcaire. Si, si, il y a un minerai de cuivre qui est là. Alors la question c'est, je regardais dans le bon sens, tu disais, mais je regardais par là. Parce que en face, je pense pas qu'il y ait une grotte de quartz. Ou alors c'est cette grotte là, mais ça ne descendait pas. Je crois que c'était juste un passage. On va aller voir. On va se garder les parachutes, hein. Comment t'es, toi? Ça va, tranquille. Côté courant. On est toujours bien en consommation. Yes. Donc, ce serait peut-être là. C'est juste par curiosité. Et on va essayer de pas mourir, surtout. On va faire de la recherche aussi parce que en chassant les limaces pour upgrader la prod, j'ai trouvé des disques durs. Oh là là. Sérieux, je suis à combien là? 10 km/h. Allez. Oh mais il y a une limace là.
Alors ça par contre c'est cool, si ça repop comme ça. Moi je dis oui. Est-ce que c'est là-dedans? On est mieux avec la musique un peu plus forte là, j'ai remis à 75%. Si ça gêne, vous le direz dans les commentaires. Allez, grimpe, on va y arriver. Donc là, il y a quoi? Il y a un petit monstre. Mais la grotte, là, je crois que c'est que des arbres, un passage et tout. Il n'y a rien de formidable. J'espère qu'il n'y a pas des grosses bêtes avec de l'acide. Non, elle est pas mal, hein. Il y a encore une limace là. Oh, il y a plein de limaces. C'est quoi ce paradis? Attends, attends. On est obligé. Il est où l'autre pingouin? Il est bugué. Ok. Et du coup, je ne sais plus. C'est pas vrai. Ah, ça, c'est posture, bien sûr. Bravo, Tech. Non. Ah, c'est pas mal. Écoutez, j'ai un trou de mémoire de faire trop de jeux. Comment fait-on pour avoir les ressources? Ça, c'est pas mal. Scanner V. Oh. Est-ce qu'il y a du quartz ici? Il y a des plantes démoniaques en face. Non, il n'y a pas de quartz. Ouais, mais on n'avait pas trouvé d'entrée, là. Il n'y avait pas d'entrée. Au pire, c'est pas grave. On va récupérer vite une limace en clôture main toxique. Je suis pas là, je suis pas là. Ouais, c'est les gros trucs qui font le bruit. Comme d'hab. Ouais, je suis full. Et donc, il y en a une là. Si tu veux, ma grande. On va aller te chercher, on aura une bonne vue. On va voir ce qui se passe ici, en fait. Mais, j'ai bugué. Il faut monter jusqu'en haut. Deuxième limace. Troisième, parce que j'en ai eu au Grand Lac. Ah non, j'en ai même quatre. Ok. Sympa le biome. Bon bah écoute, Patrick, je ne sais pas. À moins qu'il y ait un moyen de descendre en bas. Qui m'ait échappé. Je ne sais pas qu'il y a une autre... Il est là. Est-ce qu'il y a moyen de donner? J'ai oublié ça aussi. Comment on peut jeter un truc? Je veux pour interagir. Il n'y a pas moyen de jeter la nourriture? Ah mince, l'autre il s'est excité en plus. Bah lui aussi, d'accord. Non mais les gars, sérieux. Je l'ai vu là, hein.
Pas mal cette grotte pour les limaces. Mais je n'ai pas de solution ouais, pour le quartz. Mais je suis sûr d'avoir été ici déjà à fouiller. Tu m'en diras, Patrick. Hein. Après, c'est pas dramatique, j'en ai déjà. Non, ici ça descend vers la plage, donc ça, j'ai pas envie. Ou alors c'était ça. Peut-être, peut-être. Parce que là, je ne vois aucun accès de grotte. Là, on arrive au côté du charbon. C'est un mystère. Je refouillerai la carte, je regarderai. De toute façon, il va falloir qu'on ait le quartz. Après, j'ai pas d'autre entrée si je trouve la dynamite. Ça pourrait être sympa. Hein. Salut toi, tiens, tu mérites. Allez, pour tous tes copains. Ouais, parce qu'à l'état, je pense pas. On voit mon usine au loin quand même. Hein. Non, bah non. Allez, tiens, on va s'amuser, on passe par là. Attention. Ouais, j'ai vu un truc au-dessus. Oh, punaise. Oh, la descente. Ah, c'est cool. est-ce que ça vaut le coup de passer par là? Non. On va rallonger par ici. Allez, on va rentrer à la base. On va faire un peu de recherche. On va voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Allez, je te court-circuite mon gros. Désolé. Et on va pouvoir faire la poudre noire aussi, puisque ça y est, on a le charbon, on a le soufre. J'avais pas eu le temps l'autre fois. Voilà, c'était l'occasion de refaire le point sur la topographie. Et donc l'acier, bah, ça doit produire à bloc. En théorie. Est-ce que nous, on peut descendre par là? Ouais. Ha. Même tout ça, je pourrais l'upgrader plus tard avec toutes ces limaces, ça pourrait être pas mal. Hein. Même le catérium, c'est vrai. Bon. On va laisser des choses dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait bien laisser? Voilà, un petit peu de tout. Poutre en acier, ça peut toujours être sympa. Tiens, ça va changer le fruit. Ici, on va laisser bien sûr le feuillage, c'est archi plein. Le biocarburant, j'utilise quasiment plus. Alors, est-ce que j'ai du bois à mettre? Non. Normalement, non. Et on va jeter un œil à l'acier. On va vérifier que ça se produit assez. L'upgrade là de charbon avec tout ce que j'ai fait. Voilà, c'est ici. Hop! Donc, est-ce que c'est encore à 100%? Voilà, on a doublé la production de lingots, normalement. Ah ouais, il y a une petite faiblesse là, mais peut-être laisser le temps au charbon d'arriver. Voilà, il y avait celui-là qui était un peu...
Tiens, c'est marrant. Ou alors ça, c'est l'autre ligne que je n'ai pas gradé. Et je le ferai aussi. Hop. On passe au travers. Ok, bon. On va regarder un peu. Donc là, ici, on est confort. Les tuyaux en acier, on est bien. Et le dernier, d'accord. La dernière boîte se remplit. Par contre, les poutres en acier... Ah, c'est ça pour ça que j'ai upgradé, c'est le stress. C'est pas tellement plein, mais ça se remplit. Si, voilà, ça marche. Pas. Je sais pas, il faut voir. Hein. De toute façon, le truc qui est intéressant, c'est que quand la prod de structure polyvalente sera finie, on sera bien. J'ai toujours mes parachutes. Oh, mais il m'en reste que 3. Oh, ok. Hop. Allez. On va prendre des tickets. Sept tickets, c'est bien. Merci. Merci, merci, merci. J'en ai déjà un petit peu là. J'en ai déjà 5. On peut peut-être laisser les éclats de charge ici. Les limaces aussi. Ça pourrait être bien. On va laisser ça. J'ai pas d'organes là, on est d'accord. Non, donc j'ai 12 tickets. J'aurai un disque dur là. Ah, j'en ai 3. 3 disques durs. Allez, s'il te plaît. On a fait quelque chose. New building unlocked. Comment ça, un nouveau bâtiment débloqué? Écoutez, on va fouiller parce que... Ah, le poteau MK2 jusqu'à 7 raccordements. Oh. C'est-à-dire que... on va le mettre en 1, voilà. Et on pourra améliorer ça? Il coûte un peu plus cher. Physiquement, il est différent. Alors, je regarde comment il est. Ah oui, il va un peu plus haut. Ok. Ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Voilà, ça remonte au niveau des câbles. Ah, c'est une bonne chose. Franchement, on est bien là. On reprend un peu les organismes extraterrestres. Alors ici, on ne fait pas les stators ni l'oscillateur à cristal. Quoi qu'on pourrait commencer à le produire. Avec le catharium, on a fait contrôleur d'IA. Ouais, ça va venir, ça, je suis un peu perdu. Ok, tiens, d'un coup il fait plus clair là. Le connecteur haute vitesse, voilà ça, et du bleu, c'est du plastique je crois. Ok, il y a le temps. Il faudra que je fasse ces machins là, ces contrôleurs d'IA. Tôle et catharium. Ok. J'ai pas les stators donc c'est pas grave. J'ai jamais trouvé de violette. Je suis déprimé. Le quartz. Trop cher parce qu'il faut 5 oscillateurs et le soufre il fera de la poudre noire, donc ça c'est vu et on a lancé du coup un disque dur, on en a 3 pour l'épisode, ça c'est bien. Ah mais ouais, ça y est, ça s'est allumé puisque le tech noob bien sûr adore les prises et surtout j'ai mis le mode nuit. Ah, c'est bien. On a les hypertubes, on n'a pas le béton, et pour faire les stators, les poutres en béton, ça serait pas mal, les foros MK2. Le tout est modifié en fonction de la pureté du gisement, avec une base de 120 en normal, les moteurs. Il faut des rotors et des tubes, ok, est-ce que j'ai ça?
J'ai 200 en hauteur. On va les mettre, hein. On va manquer un peu de fil de cuivre et des tubes. Est-ce que j'ai encore du fil de cuivre? Oui. Allez. Voilà, ça c'est cool. On va le ranger, on va garder un lot de 500. Et il me faut 200 tubes. On va le chercher. J'ai pas mon petit... Ah si. Quand même. Par contre, je craque. Je joue avec le son. Hein. C'est un poil trop fort pour moi. Je préfère entendre les machines en fait. L'usine n'est pas encore très très belle. Hein. Mais par contre, l'éclairage, tout ça, ça me convient. On a aussi les pétales de fleurs pour faire du pigment coloré. J'ai vu qu'on peut faire ça avec une machine. Ça serait intéressant. Oh bah. C'est le point de rencontre de tous les chariots là, les gars. Hop. Finalement, le système là me convient parfaitement. Alors, on va ramener des tubes. 2, 3, 4, 5. Puisqu'on en aura besoin, je suppose, aussi. Pas mal. On va regarder un peu. Qu'est-ce qu'on aurait comme nouvelle recette? Tout ça, on connaît. La biomasse, on s'est bien éclaté avec ça au début, hein, franchement. Donc, il y a des cartouches de couleur, voilà, avec des pétales de fleurs. Ça pourrait être bien. On pourrait commencer par ça. Il reste plus qu'à ça à faire avec les constructeurs. C'est vrai qu'on pourrait le faire proprement là où je vais chercher mes fournitures. Toujours au rez-de-chaussée. Donc ici c'est plein. Ouais, et puis là j'aimerais bien garder le passage quand même. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que là je passe en couloir, donc je prends toutes mes fournitures ici. Et là, paf, j'arrive... Bah ouais. J'arrive. On va le tourner. On va le mettre là. Et on va se dire qu'on charge les fleurs. Ah, on charge les fleurs ou est-ce qu'on prend plutôt... Alors, je me suis trompé. Parce que les pétales de fleurs, c'est mon coin de recherche, donc je suis assez feignant. On va dire ça. Et on va se faire un constructeur. Voilà. Puis comme on est très feignant et qu'on a besoin de très vite ce qu'on veut parce qu'on n'est pas courageux, on va mettre du MK3. Surtout parce qu'on est riche. Voilà. Ouais, bon. Écoute, ça va pas être très droit. Ce qu'on peut faire. Voilà, c'est quand même un poil plus sympa. Et est-ce qu'on a de quoi le brancher au plafond? Ouais, ici on peut. Alors s'il te plaît, il me manque cette recette-là, la cartouche de couleur, utilisée pour appliquer des motifs aux structures avec le customiseur. Bah ouais. 37 fleurs et demie pour 75 cartouches de couleur. C'est énorme. C'est énorme, sachant que je n'ai plus aucune place. Donc on a cette petite ligne de prod. Ouais. On la bougera peut-être après, hein.
Ça commence à faire très encombré. Qu'est-ce qu'on a ici? La tôle. Ouais. Non, on va déjà débloquer le béton. Donc faut pas que je perde de fil, on va débloquer plein de choses, ça me perturbe. Production d'acier avancée aujourd'hui. Milestone reached. Allez bébé. Can be improved with a larger storage container. Voilà, on double taux d'extraction. As well as the ability to store excess power for later use. An additional project part can now be constructed. Further progress to the next phase is now possible. Donc on double l'extraction. C'est-à-dire que je pourrais m'amuser à mettre tout en MK3, tout doubler, on va être à 100% partout, quoi. Ok, c'est lancé. J'ai le vertige. Foreuse MK2, ça demande du béton. Avec deux foreuses portables, des tubes, des cadres modulaires, d'accord. 60 et l'autre 120, ok. Donc ça, c'est cool. En spécial, on n'a rien. En alimentation électrique, on a donc ce truc-là. En logistique, c'est bon, on n'a rien de nouveau, on maîtrise, en organisation pareil. En transport, on n'a pas grand-chose, hein. C'est un peu la dèche. Et en architecture, on a les fameux piliers. Alors, ça serait pour la nouvelle usine, ça donnait des dimensions un peu plus futuristes, plus étagées. Par exemple, on pourrait laisser la structure là, puis mettre des piliers ici, et ramener par-dessus... tout ce bazar et amener l'usine au bord de l'eau. Je dis ça, mais c'est à moitié tentant en plus. Tout ça, c'est bon. On en est où avec le disque dur? 1 minute 50. Des fleurs. On va laisser les tubes là. On va prendre toutes les fleurs. Merci. Je pense pas qu'on en ait besoin pour la recherche. Pas notre niveau. On va se faire des bombes à colorer plutôt. Hop, c'est parti. Alors les pétales, hop. Waouh. Cartouche de couleur. Comment ça marche? Il faut un outil? Les motifs peuvent être achetés dans le magasin. Ah, attends, ça va pas dans ma main, il faut un customiseur. Un customiseur. Je pensais qu'il faudra que je refasse quelques parachutes. Là, on est. En fait, les munitions, j'ai pas tellement besoin. C'est au cas où un jour. Ouais, on va peut-être aller chercher le mycélium pour les parachutes, parce que je consomme ça pas mal. Bon, on va le laisser crafter donc des cartouches. Un customiseur. Est-ce qu'on fait ça, nous? Oh, j'ai failli tomber. On va s'amuser un peu à en faire un peu. Ah ouais, non, mais non. La recherche a terminé. Et ici, est-ce qu'on fait un customiseur? Alors, avec un oscillateur, il faut du câble, du cristal de quartz et des plaques de fer renforcées. Bon, le customiseur me parle pas du tout. Par contre, je ferais bien des oscillateurs pour la recherche. Il faut du cristal de quartz.
qu'il y aurait moyen d'en choper avant qu'ils aillent se faire manger. Attends, on va en prendre un petit peu encore. On est à 12, on va monter à la série là. 7, 18, allez encore un petit peu. Voilà. Une vingtaine. On va se faire quelques oscillateurs. Quoi, il en faut... Ah ouais, non, mais il en faut plein. Bon bah c'est pas grave, on va pas se prendre la tête. Alors attention, analyse du schéma de disque dur à terminer, sélectionner les récompenses souhaitées. Tige d'acier alternatif. Lingot d'acier avec tige de fer. Balise à cristal alternative. Rotor en acier. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça, c'est juste pour avoir des balises, hein, on s'en moque. On va prendre l'alternative de la tige d'acier. Et on va lui dire... Encore ! Allez ! C'est juste pour tester... bah ouais, mais j'ai pas assez... J'ai pas... Qu'est-ce que je pourrais laisser ? On va laisser deux, on va prendre ça. Et qu'est-ce qui manque pour faire une fausse MK2 ? Du béton et des cadres. Bon, on se prend pas la tête avec les couleurs pour l'instant. Béton armé et cadre. On va tester. On va voir un peu tout ça. Ah non, tu veux pas prendre la pente. Comment j'ai fait ça? Ah. Ok. C'est clic gauche la souris, je savais pas. Donc cette mine là, elle me fait du 120. Ok. Eh ben, maintenant 240. de fer. Waouh. Allez, vas-y. J'ai un peu de quoi faire. Ouais. Le convoyeur n'est pas suffisant. On va upgrader tout ça. Voilà. Oh punaise. Ah, le problème c'est que par contre les cocottes... il va falloir que je les upgrade aussi alors. Ah ouais, ça va saturer, ça va saturer. Bon, ça c'est cool. Voilà, on peut s'amuser. Et ça devrait aller un poil plus vite, peut-être. Ou
et on fera ça plus tard, je m'amuserai, bon. Toujours est-il que ça, ça marche. On a tout vu là-dessus, c'est ok. J'adore. Allez. Ah, c'est cool. Donc on a fait les couleurs. On va pouvoir améliorer, je le ferai en off, toutes les lignes de production. Les tickets, on est rendu à 13. Et on revoit ça. Il va falloir du coup faire des poutres en béton armé, des stators, des moteurs, des câblages et des cadres modulaires, sachant qu'il nous faut des câblages. Ça, c'est bien. On va te laisser là. Et on va étudier la chose à l'étage. Hop! Donc ici c'est ok. Donc là ça se remplit bien. On va revoir un peu du coup. Juste le constructeur. Bon, rien de neuf. Donc tout va se faire avec les assembleuses. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de rotor. Punaise. Ah mais je suis full, hein, c'est une calamité, hein. Alors on récupère quelques rotors, on est bon. En fait, j'arrive pas à libérer mes inventaires. Il faut que je lâche la pression. Alors. On est d'accord qu'en industrie, on n'a rien d'autre. Donc, les poutres, ce serait pas mal. Ce serait avec des poutres en acier et du béton. Ah. Évidemment. Le stator, tuyau en acier et fil électrique. Donc c'est le cuivre, ok. Sachant que moi ce que je voudrais c'est ce truc là. Des rotors et des stators. Oh là 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 là. Là on l'a le câblage automatisé, ok. Charbon et soufre. Et un contrôleur d'IA, c'est tôle et fil actif. Eh ben, on va se prendre une bonne migraine. Donc là, le quartz. Ça, c'est pour les rotors supplémentaires. Ah, c'est vrai qu'on a une ligne de rotor supplémentaire, je vais peut-être plus l'envoyer. On va l'utiliser. Ça serait pas mal. Ok, du coup, on va améliorer la production d'acier puisque nous avons les nouvelles mines de niveau 2. On va le faire tout de suite. On va vérifier si je n'ai pas mis de limaces de charge en plus. Donc on était monté à 120. Alors, on va les enlever. On redescend à 60, puisque j'ai déjà upgradé tout ça. Voilà, on a ce qu'il faut. Fallait bien prévoir le béton, le peu que j'ai. Et là, on est monté à 120 sans surcadencer. C'est parti. On gagne là-dessus. Et je vais garder mes charges pour améliorer. Ok.
eh ben, les fonderies. Puisqu'on va upgrader du coup les mineuses de fer et de charbon. Écoutez, je fais tout ça et on se retrouve aux fonderies pour voir si tout va bien. Alors un truc qui est ultra cool aussi, j'en profite pour upgrader les tapis de quartz, c'est qu'on a un visuel, les MK2 sont des petits points lumineux, et les MK3 ont un rectangle lumineux, donc je vois où j'en suis, mes deux tapis de quartz. Et c'est extrêmement bien pensé ça aussi. Franchement, c'est aux petits oignons ce jeu. J'ai également vu une vidéo récemment, si vous l'avez vu, le marécage a été retravaillé. Donc la vidéo est passée sur Coffee Stain, la chaîne YouTube. À vous de voir. Et puis je finis ça, joyeusement. Et on va attaquer l'acier supplémentaire pour obtenir les câbles manquants. Et finir ce palier 3. Non, palier 2, phase 2 de l'ascenseur spatial. Très bien. On voit donc les convoyeurs MK3 qui arrivent. C'est beau, c'est lumineux, ça se concentre. Le fer arrive beaucoup plus vite. Le charbon aussi. Est-ce que j'ai augmenté d'ailleurs les convoyeurs verticaux? On va vérifier. Apparemment, c'est bon. Là, c'est fait. Tout est fait. Tout est déjà en MK3. On va vérifier l'autre côté. Les tapis, c'est bon. Comme ça, vraiment, l'acier arrivera beaucoup plus vite. Et si j'arrive à doubler la prod, c'est génial. Là, c'est OK. J'avais déjà tout fait. Même les verticaux pour les coffres avant que ça parte. OK. Donc maintenant, on a récupéré nos charges sur les mines. Tac. On va le pousser à 112,5. On va vraiment le pousser au maximum. Est-ce que je vais vous calculer? Pas trop. Là, je sais que je fais 240 au lieu de 120 en fer. Enfin, c'est de la folie. C'est de la folie. Je ferai le calcul off quand j'aurai le temps. Si je suis motivé, s'il y a une pénurie. Je sais que je devrais. Là, le tech, il commence à lâcher un peu prise. Cadençage 250%. Et là, on est à 100%. J'avais peur. Ah, il y a une chute, hein. C'est donc le charbon qui ne tient pas la route. Peut-être que c'est plus loin à venir, mais normalement ça devrait être bon. Et ils sont bien upgradés. Et dès qu'il est nourri, ça construit. Bon! L'idée de doubler sa production de minerai, d'augmenter la vitesse des convoyeurs. On voit que ça arrive. Hein. Les deux lignes de charbon, elles arrivent là. Elles sont bien en MK3, je vérifie. Ouais. On va laisser le temps, on va bien voir. Et nous, ce qu'on devrait faire... Eh ben, on va faire l'acier. Tout le reste, on verra plus tard. C'est bon pour le parachute. Allez, on rentre comme ça. Raté. Hop. Il faudra que je revoie mon charbon. Peut-être que je remette des charges dedans, en fait, pour que ça aille plus vite. C'est le charbon qui peine. Donc ça, c'est un petit tour en visite en off. On va booster tout ça. Je ferai les comptes sur place. Donc j'ai des plaquages intelligents, j'ai des structures polyvalentes, et maintenant il me faudrait ce truc-là, qui est, je cherche le nom, câblage automatisé. Donc il me faudrait des stators et des câbles. Ok, et pour fabriquer des stators, si j'ai noté ça, il faudra des tuyaux en acier et des fils électriques. Donc mes fils électriques sont là, tranquille. J'en ai plein qui attendent. On pourrait les repiquer. Tout ça
ça pour faire des stators. Je pourrais amener ça là. Et il faudrait repiquer du coup des tuyaux en HC. Eh ben, on va faire une assembleuse ici. On va rester logique. Hop, on va faire comme ça. On veut des stators. Il faut au moins 15 tuyaux minutes et j'en aurai 5. Ça, c'est vraiment pour le plaisir, pour nous. On va faire un conteneur. Et on va arriver tout doucement au câblage. Alors là, je suis aligné. Je suis droit, là. Allez, on se prive plus du luxe. Ici, ok, les plaquages sont là. On va faire pareil. Est-ce qu'on aura moyen de faire ça propre? On va peut-être fermer ici. Pour l'instant, j'ai pas d'objectif autre. Zoup. Je voudrais faire quelque chose de propre. Imaginons que là, ça vienne jusque là et que je puisse me greffer ici. Wouf. À la limite, je pourrais retravailler après. Là, on va être efficace pour cet épisode. Ça passe en MK3. On va juste upgrader un tout petit peu ou pas? Ouais. Voilà. Donc ça c'est bon. J'ai un bug d'affichage. Voilà. Je touche pas à la productivité, je veux juste toucher au tapis, voir si ça va aider un peu. Ou pas. Et lui, il a déjà... Ouais, je verrai après. Ah si, ça aussi on peut travailler. Toute l'arrivée de cuivre. Tac. Mon cuivre est là, il est fait. Et on verra après. Ok. Donc les fils électriques, ça va produire. Allez. Là c'est le câble. On s'en moque pour l'instant. Donc il me faut les tuyaux en acier qui seraient au-dessus. Est-ce que je pourrais aligner quelque chose comme ça? Alors attends. Nous on est là. Ah ouais. Pas d'alignement de ligne verte avec ces trucs là. On va refaire ça propre s'il te plaît. Voilà. Ça va où? Ça va jusque là. Est-ce que c'est au-dessus ça? Je sais pas. C'est moi qui suis pas... Je sais pas si vous avez une technique pour bien aligner. Ah ouais, non. Non, ça va pas. On peut faire ça plus court. On peut s'amuser à dire, tiens...
Ça va monter ici. Ah, en jouant comme ça, c'est une technique, en collant, en changeant de touche. J'ai un doute. On refait. Non, là c'est bon. On va voir à l'étage, donc on part bien sur les tuyaux. Ah, c'est les tuyaux en acier là, tuyaux en acier. Je pensais aux poutres. Punaise! Bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Est-ce qu'on se ferait pas un séparateur? Attends, attendez ça. Sachant que... on peut repiquer de partout ici, ressortir et travailler d'autres lignes. Je vais pas me prendre la tête. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à me greffer. Voilà, on a le bon sens d'en dessous, donc normalement. Allez, les tuyaux sont bons. Est-ce qu'ils arrivent bien? Est-ce que je me suis trompé ou est-ce que ça marche? Les tuyaux sont prêts, tout est prêt. Première étape, stator, ok. On va connecter au niveau électrique. À moins que je puisse faire ici. 3. On va le remettre là. Alors ça, il n'y a pas de démultiplication au plafonnier. Hein. Ok, donc j'en fais 5 par minute. En restant comme ça. Ça a l'air long à fabriquer. Ah voilà. Ouais. Oh bah t'es rapide toi. Mais il est où? Off. Alors voilà un stator. Oui, on voit les fils de cuivre tout autour, d'accord, des tuyaux. En fait, ils sont collés aux tuyaux. Le design est simple, c'est sympa, fallait y penser. Très bien. On va aller voir combien on fabrique de tuyaux minutes. L'arrivée d'acier. Bon, ici c'est full. Là c'est un peu plus compliqué. Comment est la productivité? On a 99%, 100%, on est bien. On en fait 80 minutes. Donc je fais 40 tuyaux. Minutes. J'en fais 40 aussi, j'en suis à 80 tuyaux. Là on est à 100%, sachant qu'on peut encore plus, j'aimerais bien faire une poutre de plus. On va voir si on tient la cadence. On va upgrader. Allez, on y va franchement. Mais là, on est qu'à 51%. Ouais, là, il y a un problème. C'est qui cette ligne-là? Très clairement, j'ai une ligne qui est beaucoup plus forte. Celle-ci va bien, fait le tuyau. Alors attends, la ligne du bas va nourrir. Sans problème, sans problème. Et le tuyau là est nickel et là ça va pas. Pourquoi? Je suis pas dans le bon truc. Non, c'est bien du MK3, tout est en MK3. Bon,
ça vient d'effondrer, il y a un problème peut-être avec le charbon, comme je le disais tout à l'heure, ça devait être ça. Je reprendrai ça. Donc du coup, on est large en stator, on a dit qu'on faisait... même plus. On va faire une centaine de tuyaux par minute, si on consomme tout. On surcadence. Donc les stators vont pouvoir booster un peu. Il me reste combien? Deux charges. Le fil a l'air de tenir. Si je veux en faire 7,5. Voilà, on monte un tout petit peu. Oh, ça tient. Donc ça, c'est OK, premier plan. Ensuite, pour faire le câblage... On a enfin une ligne de stator quand même, c'est incroyable. Pour faire le câblage, il faut des stators, il en faut 2,5 et 50 câbles. Et on a du câblage ici. On a du câblage là. Comment je pourrais ramener ça là-bas proprement pour faire du câblage automatisé? Sachant qu'on a ce truc-là. J'ai encore des choses à looter, là. Voilà. Là, ça donne quoi, là? Les structures plus 20, ça y va à fond, hein. Polyvalent est là. C'est vrai que d'avoir ça près des escaliers pour prendre des ressources, c'est top. Là, on a un passage propre. J'essaie d'organiser pour pas que je rentre dedans, quoi. Et mettre une assembleuse en plus. Là, j'ai de la place, hein. J'ai de la place. Et mes petits stators, il faudra que je les amène gentiment. On va les faire passer au plafond, on a l'habitude, hein. Hop, on baisse 5 rangs. Voilà. Est-ce qu'on peut ici? On va faire comme ça. Et on va voir ce qui se passe. Ça traverse l'escalier. Est-ce que... ça? Ah oui, non, ça allait dans le... D'accord. On va tricher. Je regarde juste comment c'est fait. C'est en bordure de celui-là. Misère. Comme ça, il faut vraiment le guider. Je peux pas. Il veut pas. Je vais le coller là. Et si je fais ça là? Oui, c'est le conteneur qui gêne. On va faire un test, hein. On va voir si ça marche. Et l'autre, il arrive où?
Alors pour tricher, on a le bon sens. On a le bon sens. On va donc partir au plafond. On va effacer ça. Et on va reconnecter, du coup, on va guider. Il arrive où, lui? Il veut pas me le prendre parce que... Ah, il est mal guidé. Je me suis trompé. Donc en fait, il faut partir de là, paf. On va essayer de faire ça le plus propre possible. On refait le convoyeur. Voilà, il faut que ça amène. Bah non. Oui, hein, zen, hein. Zen, 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 zen. Je veux que le tapis arrive, clac. Donc ça va pas, ça. Si d'un bout ça va pas, tu prends de l'autre, et puis voilà. Voilà, je veux que ça amène... Ah ouais. Trichons. Trichons. Ça a l'air de se marcher dans ce sens-là. Trichons, mais galérons plutôt, ouais. Punaise. Voilà. Tout ça pour que le convoyeur soit propre au plafond. Parce que j'ai pas d'autre technique pour l'instant. Ok, donc ça c'est bon. Donc le convoyeur arrive dans le bon sens. Et est-ce que je peux le greffer proprement? Même pas. Ça fait un sacré virage. Vous savez quoi? Osef. Voyons ce qui se passe. Donc là, nous voulons le câblage automatisé. Et je rêve ou il n'y a aucun stator qui arrive? Si, ça monte. Ah, ils sont tous là. C'est bon, les stators, c'est ok. Et maintenant, le câble... Évidemment. Ah, c'est pas mal ça. J'avais. J'ai tellement de monde au plafond. Punaise. Pour que ça se connecte, hein. On est d'accord. Ouais, ouais. On est trop loin, il faudrait que ça arrive là. Donc il faut bidouiller pareil. Lui n'est pas gênant. Là, il y a la lumière. Donc il faut encore tricher pour arriver ici. Oh. Je trouve qu'on se prend bien la tête, hein. Ou alors, avec ces fameux pylônes là, on pourrait pas aligner ça proprement. Voilà, pour que ça parte du coup ici, tac. Donc il y a ce machin qui gêne, il faudrait partir plutôt par là. Ce qui me semble correct. On a le mur là qui gêne. On va bidouiller.
Si on met un mur comme ça, avec une fixation murale, est-ce que c'est acceptable en déco? Là-dessus, je sais pas. Vraiment, j'attends vos retours de commentaires. Quelles sont vos astuces? Parce que là, j'invente un peu. Mais ça ne gêne personne. Sauf du coup pour arriver là. Et le maximum que tu puisses faire, c'est ici. Il me semble qu'il arrive à jusque-là, ouais. Voilà, on refait la même technique. Après, je pourrais les supprimer. Voilà, j'ai le porte-mur. Donc, on a le tapis qui monte enfin. C'est pas super. Et après, on peut même, du coup, supprimer ça. Et ça aura guidé le mur et puis le porte-convoyeur. Et normalement, tout le monde est arrivé. On a enfin les stators de près. Les câbles d'arrivée. C'est vrai qu'on a un beau couloir là quand même. Faudrait pas le gâcher. Et bah du coup, on va stacker les câbles. Hop, dans ce conteneur là. Alors, est-ce qu'on peut... Ça, c'est OK. Et le courant électrique. 4. Ah ouais, évidemment. On va en greffer un là. Et on va pouvoir brancher l'assembleuse. T'as l'air d'être parti. Et j'en fais 2,5 et il m'en faut une centaine. Je vais regarder juste comment ça se passe pour les stators. Donc tout ça en repartant des tuyaux en acier et avec les compléments de cuivre. Ok. J'ai pas d'avance de stator. Hein. Ah ouais, non, j'ai aucune avance. On va le laisser comme ça, je laisse tourner et on se retrouve du coup dès que j'ai la centaine et qu'on puisse faire le nouveau palier, c'est l'objectif. Ce qu'on peut aller voir, c'est les recherches. Du coup, ce serait pas mal. Allez, on va voir où on est le même. J'avais lancé un disque dur, il en reste un. Hop. Et je gâche un parachute. Si j'en gâche trop, coupe aux champignons. Hop. Voilà. Allez, petit café pour se détendre. Là, on a bien bossé, hein. C'était bizarre, cette productivité, ça tombait bien. Allez, qu'est-ce que tu me proposes encore? Une balise, j'en veux pas. Fil automatisé. Ah ouais, c'est plutôt que ça, c'est 2,40. Mais avec un connecteur haute vitesse. Sachant que la balise, je m'en moque. Cadre en acier alternatif. Non. On va prendre cette sorte de câble, là, le connecteur haute vitesse, je sais pas trop. Ça, c'est dans des façonneuses. On n'a pas les façonneuses encore. Donc, ça a trois entrées, là. Ok. Et puis, on va lancer le dernier disque dur que j'ai trouvé. Et on se retrouve, du coup, dès qu'on a tous les compos. Si je refais le point, d'ailleurs, vite fait... On fabrique des stators, c'est bon. On a lancé de la production de câbles automatisés. On sait faire des forêts MK2. Les câbles modulaires lourds, j'en fabrique pas pour l'instant, c'est pas demandé. Les poutres en béton, il faudrait penser à ça. Et pourquoi pas les moteurs. Et après, ici, il en faudra des poutres en béton. Ah, à la limite, on peut faire ça. Pour débloquer ce dernier jalon du palier 4. Et on est enfin les hypertubes.
Ouais, pourquoi pas. Alors, si je regarde un peu mes notes, poutre en béton, il faut poutre en acier et béton. Poutre en acier et béton. Sachant que mon béton est là. Ça serait quand même cool de pouvoir faire le poutre en béton renforcé ici, après tout. Ah ouais, faudrait voir à l'étage comment c'est, ça peut être compliqué. Poutre en acier, est-ce qu'on en a des masses? Sachant que ce qu'on voulait, c'est des structures polyvalentes. C'est à l'étage, tout est à l'étage, on va monter. J'en consomme déjà beaucoup des poutres. Hein. On est comment là? Bon, on en consomme vachement. On en consomme 30 par minute. Enfin, les structures. Combien j'arrive à en produire? Genre, je laisserai des trucs partout, moi. Hop. Bon, ici, les tuyaux n'ont pas l'air d'être embêtés. Hein. À l'aise, hein, les stators. Les cristaux, ça marche. Alors, c'est vrai que j'ai augmenté le cristal, il faudra que je vois ça. Ça a l'air d'aller. Ça se remplit parce que j'avais enlevé déjà tout ça. Alors pour le béton, il me faudrait 24 poutres pour faire 6 poutres béton. Et j'en consomme 30. On va calculer combien d'en produit. On est à combien? On est à 100%. J'en fais 37,5. Donc il en reste 7,5 de libre dans celui-là. Et pas top, pas top, pas top. Bon, ce que je propose, c'est qu'on va arrêter la production de structures polyvalentes temporairement. On va détourner ça. Ouais, parce que 24 poutres en acier, je les fais pas. Hein. On va faire une petite pause là. Voilà. On a assez pour la phase 2 de l'ascenseur. Le but du jeu. Le béton est là-bas. Ok. Et j'ai déjà mes poutres qui descendent là. Est-ce qu'on peut le repiquer en bas? Putain, je suis sûr que c'est ça, les poutres en béton. Ah ouais. Et on retombe sur le même bazar, du coup. Là, ça serait pas mal. Ah, mais il est collé au plafond, lui aussi. Hein. J'aime bien coller au plafond, on est d'accord. Hein. Et si je collais au mur? On pourrait coller au mur. À quel niveau? Allez, un séparateur. Je vais mettre où mon séparateur? On va le mettre... On va aligner à peu près là. Et la question... Non, c'est pas top. Ça, faut pas que ça gêne. Plutôt là. Ok. Du coup, le support mural pour convoyeur. On n'est pas trop serré près du mur, là? Ça me semble un peu chaud, hein. On va faire un essai. Gentiment, on monte, on monte. Je me rends pas compte. Est-ce que ça irait? Donc il est trop bas, beaucoup trop bas. Ouais, j'ai pas le compas dans l'œil. Hein. Incliné. Alors attends, il est pas tout en haut.
Pourquoi il veut pas trop incliné. Donc là, il est trop haut. Ah, crotte. Oh, là, ça m'a l'air bien. Attends, on va pas exagérer non plus. Hein. Voilà. Ah. Est-ce que je suis... J'ai même pas de trait bleu par rapport à ça. Voilà. Allez, on va longer le mur. J'ai de quoi faire des supports muraux. Voilà, on est juste un cran au-dessus. C'est pour faire beau. Et du coup, on va aller jusqu'où on peut aller d'ailleurs. On peut aller jusque là. Hein. On est d'accord qu'on est là. Tac. À peu près ici. Tout ça pour... Ah, presque. Non, ça, c'était pas suffisant. Tout ça pour repiquer les poutres en acier. Punaise. Ouais, je me souviens. Non, non, là, si, ça prend pas trop de place. Ça va, ça va. Ouais, 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 ouais. Bien sûr. ouais. Ici, ça me va. Là, ça me va pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Faut que je remonte, les amis. J'ai glissé. Ça y est. Ah ouais, donc du coup, il y a un trou ici. Faire attention. J'oublie tout le temps. On va le mettre là. On va le coller. Ici. En fait, on est parti pour faire toutes les longueurs. Hein. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce que j'ai cherché? Le béton. Le béton qui arrive en dessous. Mais à quel moment Ah, j'étais bien glitché. Voilà. Donc là, on vient chercher le... oui, non. Là, je sais que je fais une bêtise. Elle est où, mon assembleuse, en fait? Le béton est là. Ah ouais, je veux la faire ici, ok. Faire l'assembleuse ici. On va récupérer le béton là. Et du coup, ça peut venir du mur ici, descendre, paf. D'accord, d'accord, d'accord. On va la coller comment? Trop près. Le mâme est fini. Oh. Donc ça, c'est juste vraiment poutre en béton armé. Ok. Ça va refaire travailler tout le monde. En plus, il y a une sortie ici vers la mine de fer et vers l'ascenseur spatial. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Pourquoi je suis pas des grands coffres? Maintenant que je les ai, j'y pense pas.
Est-ce que je n'ai pas de tuyaux en acier? Super, merci. On va en chercher. On se perd dans son usine. Est-ce que j'ai la place dans mes inventaires? Hop, je vous en prends un tout petit peu, merci. Et du coup, on sait que là, il faut les amener là-bas, ouais. Tout au fond du mur. Ça me permet aussi de ne pas surcharger, de faire comme ça. Les convoyeurs. Il faudrait que tu descendes là, quoi. Ouais. Donc, machin. Il doit descendre ici. Voilà, et on espère que ça marche. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche pas. Pourquoi? Il veut pas passer. Donc en théorie c'est ça, hein. Tu pars de là-haut. Ah, c'est un bug d'affichage, sérieux? Ah bah alors ça c'est pas mal. C'est la première fois que j'en vois un de texture comme ça. On va voir. Le coffre. Pour le béton armé. Donc on a ça là. Voilà. On fera la sortie pour voir ce que c'est exactement. Ce sera du béton armé. Ça arrivera devant la porte, ça sortira. De l'assembleuse. Niveau électrique tant qu'on y est. S'il vous plaît. Où est-ce que je peux repiquer? Il y a de la lumière là. Il n'y a plus que un. Attends, il y a le mur là. Ok. Eh ben, on va descendre. Le convoyeur vertical. Et même si ce n'est pas parfait. Non. Et c'est bien ça, texture buggée. Mince. On a les poutres, ça y est. Côté poutre, ça dépote. Côté béton, bah, va falloir upgrader un peu. Hein. Ça suffira pas, ça je verrai en off. ennemis plus le reste. Donc là, je peux, par contre, ce que j'ai vraiment besoin de ça. Peut-être. On a le béton armé en production. Reste le problème du charbon pour l'acier pour faire plus de poutres. Faudra que je me fasse vraiment une fiche de to-do list. Et nous, on va aller voir le MAM. L'épisode va être 1000 fois trop long, comme d'hab. On a le choix d'un moteur alternatif, d'un béton humide dans une raffinerie. Oh punaise!
fil de catharium alternatif avec du fil de cuivre. Trois rotors avec trois stators et un seul oscillateur cristal donnerait six moteurs. C'est pas mal ça. On n'a pas encore la façonneuse, mais je prends. Écoutez, je vous dis donc à tout de suite pour le final de la phase 2. Allez, le soleil se couche les amis, il est temps du coup de finir cette vidéo, c'est la conclusion. Plein de choses en même temps, peut-être. Du coup, je me suis mis aussi l'hypertube à débloquer pour le palier 4. Et là, on va voir pour l'ascenseur spatial. Il nous faut, du coup, pour faire la phase 2, 500 plaquages. Hop, intelligent. J'ai de la place. Alors, 50, 100, 200, 300, 400, 500. Ça prend énormément de place dans mon inventaire. 500 structures polyvalentes. Ouais, on aura le même problème. 100, 200, 300. Et du coup, j'ai trop de choses. 300, et puis 400, 500. Ça, on est bon. Il nous faudra aussi 100 câbles améliorés, avancés. Qu'est-ce que je pourrais changer? J'ai des stators qui sont là. Ça devrait pas être là. J'ai aussi des rotors qui devraient pas être ici. À la limite, les rotors. OSEF. Ouais. Hein, OSEF, 80... Ah, ça fait mal au cœur quand même. On va garder le béton. Qu'est-ce que je pourrais jeter sans regret? Ouais, à la limite, les organes extraterrestres. Au revoir. Et allons donc voir si on a nos 100 câbles automatisés, je crois, ou comment on les appelle. C'est ça, câblage automatisé, c'est l'amélioration. Ça devient hyper complexe, donc on a tout pour faire ce palier-là. On va aller à l'ascenseur. Mais est-ce qu'on a aussi le béton? Est-ce que j'aurai de la place? Par là, on passe pas trop, c'est pas bien. Faut que je pense à vous avec la caméra. Ah, le piège du cuivre. Je suis trop... Alors... Yes, un peu de café pour se remotiver. C'était compliqué cette vidéo, beaucoup de choses. J'espère que j'étais à peu près clair. Et du coup, il me faudrait du béton. Il faudrait 50. Et, Tiens, c'est marrant, il veut pas... Écoute, comme ça. Il voulait pas compléter. Donc j'ai tout pour faire m'amuser, pour faire et pour m'amuser. Voilà, on articule. On sent le tech qui a le cerveau qui refond encore. Ça atteint un niveau tendu quand même du jeu. Tendu, tendu, l'usine n'est pas finie et je commence à boucher tous les espaces, enfin monter d'un cran. Du coup, on va débloquer les hypertubes. Voilà, avec tout ce qu'on peut, le béton. Ça c'est beau. Milestone reached. Fixit Incorporated has processed and incorporated frequent pioneer requests for pipe-based. Voilà, un transport personnel par canalisation pour la société Fixit. Introducing Hypertubes. Safe, aesthetic, adaptable, fun. Enjoy a view of your hard work as you soar through incredibly tight turns. Build them today. L'ascenseur nous attend. Note: Fixit Incorporated is not responsible for any harm caused by irresponsible use of this product. Oui. C'est vrai que je pourrais faire un chemin avec plaque pour ma petit chariot. Ça serait pas négatif. Ouais. Bon, attends, on va passer par là. Donc, au prochain épisode, ce sera les hypertubes. Voilà, ça demande quoi? De la tôle et du tuyau. C'est tout. Un peu de béton armé, du rotor, évidemment. Entrée. Super. L'entrée coûte très cher, hein. Ça, ça me va. Et le support, ça me va. On pourrait faire un hypertube qui va vers la centrale à charbon énergétique. Et l'autre, je ne sais pas, parce que... Est-ce qu'on s'arrête à différents stades? Je ne sais pas. Au spot de charbon, au spot de fer.
C'est vrai que je pourrais l'amener jusqu'au spot de cristal ou de souffle pour voir un peu plus loin l'exploration. Je ne serais pas contre. Allez, incroyable, on revient enfin à toi. Oui, j'aurais pu connecter, c'est vrai. On aurait pu ouvrir les vannes. Ok, comment on fait? Voilà, je fais carrément contrôle, c'est plus simple. Les plaquages, c'est fait aussi. Et du coup... Voilà. Il compresse dans la boîte. Projet, assemblage de structure. Débloqué à la livraison, palier 5 et 6. Ok, envoyez la caisse. Oh là 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 là! Bing! C'est parti! Ah! Bon, c'est un succès. On est ok. Bah, c'est pas mal, c'est tout. Ah! Ah! Pour débloquer le palier 7 et 8, sachant qu'on a fait le 4, on a enfin le 5 et le 6, ok. Il faudra encore des structures polyvalentes, il faudra ces trucs-là. Moteur modulaire. Une petite contrôle adaptative. Oh là 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 là. Tiens, c'est marrant ça. Non, ça le fait que ici. Et ben, on verra ça au prochain épisode. Attends que tout revienne et puis on va encore construire. Et du coup, ouais, au moins les hypertubes vers le charbon, ça me plairait. Peut-être le nouveau biome aussi. Rose, centrale, je sais pas trop quand on le dit, puisque je n'ai toujours pas la carte. On travaille sur ça, les cristaux aussi, les oscillateurs pour débloquer la map, je crois que c'est comme ça. Mais on verra ça, ce sera super. Merci à vous pour vos retours. Désolé aussi pour la grotte que je n'ai pas trouvé de quartz encore, mais nos soucis. Moi je vais continuer à augmenter les mines de niveau 3 et tout en MK3, augmenter les prods, voir le charbon qui coince avec l'acier. Et on sera bien au prochain épisode. Bye bye tout le monde.